Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Rouge 2.1.05, chers amis. Donc, dans cet épisode, nous allons faire des missions de livraison, ce qui fait que je vais devoir passer une bonne partie de la vidéo en accéléré, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Cependant, je vais tout simplement essayer de faire en sorte que ces missions soient bel et bien intéressantes, c'est-à-dire des missions qui ne m'obligent pas à aller dans 36 systèmes différents et qui, pour le moins de cargaison possible, me rapportent le plus d'argent. Voilà. Donc, je vais faire un petit calcul, chers amis, et je vous retrouve tout de suite. A tout de suite. Ok, re, chers amis. Donc, là, j'ai à peu près 60 tonnes sur moi. Ici, j'en ai pour 4 millions. Ce qui fait là, avec celui-ci, ça fait pratiquement 6 millions. Ici, ça fait 8,5 millions. Ici, ça fait 11,5 millions. 11 millions aussi, c'est à peu près. Hein. Là, j'ai à peu près, donc, pour à peu près, on va dire, aux alentours de 15 millions de crédits dans la soute. Bon. Eh ben, il n'y a plus qu'à y aller. Navigation, carte de la galaxie. Et on va aller faire, donc, la première, le premier système, en tout cas, le système le plus proche, qui semble être Balmus. Qui est donc le système où j'ai la mission la plus proche, qui se trouve donc à 395 années-lumière. On est à peu près à 15 sauts à faire, j'imagine qu'on va en avoir un peu moins maintenant qu'on a amélioré notre FSD. J'ai peur d'appuyer sur un et on est à 12 sauts, bon ça fait 3 sauts de gagner. Est-ce que c'est véritablement rentable? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, chers amis, nous allons décoller. Moi, je vais partir une fois que j'aurai lancé donc le premier saut, tout simplement. Je vais passer en avance rapide. Si ça vous convient, n'hésitez pas encore une fois à le dire dans les commentaires. Je suis ravi d'avoir votre avis à ce sujet-là. Merci de commenter, c'est toujours sympa. Dites ce que vous pensez, hein, si vous avez des conseils, des astuces à me faire partager ou à me partager. Salut l'ami. Vous avez vu cette esquive? Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, ah, rétracté. Voilà. Et nous partons, voilà. Donc je me mute, à tout de suite. Je vais pas te dire.
Ok, re, chers amis. Donc, on va se poser là. On va se poser là. Hop. On va éviter de se faire agresser aussi, ce serait peut-être pas mal. J'ai pas pensé. Hop, heureusement, je dois avoir qu'une seule quête par là. Je n'ai pas pensé à aller regarder sur quelle station c'était. Gros débile. Marcus, t'es qu'un gros débile. Donc on va quand même zioter jusqu'au bout. Si on voit le petit icône de mission. Hop. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc on a qu'ici pour l'instant. Haché Gilderoy Lockhart. Donc bon, on y va. Bon bah finalement, en plus, je viens de penser à ça, c'était pas 15 qu'on avait. C'était 17 de mémoire. Je crois qu'on avait 17 sauts, ce qui fait qu'on a gagné pratiquement un tiers. Un tiers du temps à sauter. C'est un truc de fou. C'est absolument un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a gagné un tiers du temps. Donc ce qui veut dire que niveau rendement, pour peu que je prenne plus de temps un petit peu par contre quand même à choisir mes missions, là j'ai mis quand même une vingtaine de minutes je pense à choisir mes missions, un truc comme ça. Bon, elles sont quand même assez rentables, hein. C'est entre 400 000, les déchets ça va entre 400 000 par, enfin les objets ça va entre 400 000 par objet à minimum 1000, je crois que c'est 1177 000, un truc comme ça, 0,166 donc millions. Donc c'est pas des petits trucs non plus. Bon, j'ai craqué pour le 24 parce que je commence à en avoir ras-le-bol de faire des déco-roco. Mais sinon, en dehors de ça, enfin je sais pas, vous avez vu la quantité de trucs qu'on va se faire quoi là-dessus. On va se faire 15 millions là, hein. C'est un truc de fou. Je vais rembourser deux morts, je crois, de mon piton. C'est vraiment un truc de fou. C'est littéralement un truc de fou. Donc bon, génial. Je pense qu'on va faire ça plus souvent. On s'est pas trop fait agresser, j'ose pas imaginer ce que ça serait en jeu ouvert. Parce que je pense que ce serait extrêmement violent. Mais non, ça va, pour l'instant ça va. C'est le plus beau jour de ma vie. Non, c'est la barge. Je crois que c'était quelqu'un qui me voyait arriver, qui disait « Ouais, c'est la fête, je vais me faire de l'argent. C'est le plus beau jour de ma vie. » Et ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, alors, Gilderoy. Ah bah, j'ai parlé trop vite. Oh là. Oh là, Simone. Ah bah cool. Ah, il s'est chié dessus à mon avis le bonhomme là. Ou alors c'est parce que j'ai trop freiné. On m'a expliqué des fois c'est parce que ma vitesse était trop différente de celle de mon adversaire. Du coup bah souvent ça faisait un bug. Et en fait c'est parce qu'il passait plus ou moins devant moi ou qu'il était trop près et que du coup le machin savait plus où se mettre. Alors on va le laisser se garer tranquillement. Hop. Moi je suis en train de voir ce que je pouvais faire. J'hésite parce que comme j'ai fait, je viens de tourner une vidéo, donc la vidéo Steam annonce pour Hello Neighbor, je viens de la tourner et j'hésite à demander à Games Planet s'ils veulent que je fasse la promotion de Mafia 3. Bon, il a pas l'air épique le jeu en lui-même, apparemment il a soulevé beaucoup de colère un petit peu à sa sortie parce que le jeu apparemment ne serait une fois de plus pas fini, hein, ce qui devient la maladie de beaucoup de jeux en ce moment, sans doute à cause des différents Kickstarter qui eux se permettent de lancer ce genre de jeu. Du coup la qualité à la sortie des jeux est un peu réduite, même si on a encore de temps en temps des patchs Day One assez intéressants qui sortent. Bon, le jeu techniquement n'est pas forcément le meilleur. Donc bon, ça c'est déjà, c'est pas forcément un super truc. Après à mon avis j'ai toujours mal à mettre des shaders dessus pour le rendre visuellement plus sympa. Par contre la narration d'un, c'est toujours la narration d'un mafia, donc ça c'est vraiment cool. Bon, sinon apparemment il y a des mécaniques de gameplay qui sont pas forcément intéressantes. Mais bon, honnêtement, si le jeu reste bon en dehors de tout ça, enfin je sais pas. Là où certains internet testent le jeu et lui donnent des 11, des 10, des 9, d'autres leur donnent du 14. Donc bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout, ça... Est-ce que ça vous plairait de le voir? Dites-le dans les commentaires, moi je sais pas. Le problème c'est que je serais engagé sur un let's play qui serait une fois de plus assez long pour le coup là. Je ne sais pas du tout la longueur de Quantum Break parce que j'ai pas envie de m'intéresser à la longueur qu'il fait. Mais alors est-ce que j'ai pas justement... Ça c'est Balmu, ça c'est LPP. Est-ce que j'ai pas des quêtes qui vont justement à côté Non. Oh, attendez. Non. Ok, tant pis. Alors, deuxième zone de mission, carte de la galaxie. Alors, on y va. Donc oui, je sais pas. On ferait bien clac, 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 non, c'est ça. De toute façon, là, il va y avoir un saut, normalement. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on retrouve tout le plaisir d'aller loin en un seul saut, quoi, littéralement. Ah là là. Non, là, on a fait vraiment un super choix, je pense, chers amis.
en améliorant notre vaisseau. On a gagné un temps fou, que ce soit pour vous à regarder l'accélération. Je sais que je peux aller... Je sais pas à quoi ressemble vraiment l'accélération pour vous, à ce que vous en pensez. J'ai pas l'habitude de regarder des trucs avec des accélérations, j'en ai regardé quelques-uns, je me suis dit, bon, c'est bizarre certes, mais à vous de me dire, si vous voulez que j'ajoute des choses. Dites-moi. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage rétracté. Verrouille le prochain itinéraire. Verrouillage du prochain itinéraire. Eh, on est trop loin. Dommage. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Voilà. Bon. Donc oui, je sais pas pour Mafia. Ça m'intéresse, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le style. Moi, les vieux films des années 80, les Incorruptibles, tout ça. Même là en ce moment, je me suis refait. Enfin, je me suis refait. Les Brooklyn Nine-Nine avec le Captain Holt qui était un des flics de cette époque là. En plus, il était noir, tout était regroupé déjà pour que ce jeu me fasse un petit peu des petits clins d'œil, vous savez, un petit peu aguicheur, tout ça. Donc, honnêtement, oui, il me plairait le jeu. Après, est-ce que je devrais pas plutôt l'acheter pour moi et y jouer pour moi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre sur la chaîne? Voilà. A vous de me le dire dans les commentaires si vous souhaitez aussi. Je serais ravi, comme d'habitude, d'avoir votre avis là-dessus. Alors. Ici, j'ai pas regardé combien de missions on doit rendre. Carte du système. Hop. Une seule. Ici. C'est parti. Ah, bah on est dans la bonne direction en plus, c'est génial. Non, on n'est pas dans la bonne direction, Marcus. T'es complètement à l'opposé. Ok, j'avais pas fait attention. Autant pour moi. Alors. Donc, une très très bonne série à regarder, chers amis. Brooklyn 99, Brooklyn 99. Très 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 bonne série à regarder. Vous allez vous pisser dessus pendant la moitié de la série. Et quand vous pensez qu'ils ont déjà touché le fond, ils vont faire encore pire. C'est génial. J'adore. Moi, personnellement, j'adore cette série. C'est... Alors là, si vous voulez vous détendre, vous rigoler devant un truc, alors là, vous mettez ça, et là, vous allez voir, vous allez rigoler comme un con. Alors. Hop. Je vais me mettre bien, mais j'ai l'impression que vous voyez encore... J'ai encore le même pad, hein, j'ai toujours le même pad, le même joystick, mais bon. Je le bidouille, donc pour l'instant, il tient. Bon, j'ai des touches qui sont un peu moins... un peu moins réactives, on va dire, hein. Des fois, faut que je donne un coup de poing dans la touche pour qu'elle réagisse, mais c'est pas grave. C'est comme les boutons d'arrêt d'urgence, hein, c'est des boutons coup de poing. Faut taper un gros coup dedans. Enfin bon. Hop, on arrive. Stéphanie Sheen Piper Port. Ok. Voie commerciale, d'accord. N'empêche que ce jeu est cool. Ok, j'ai pas scanné. J'aurais dû. J'ai bien fait. Hop, on va essayer de suivre l'orbite, la ligne d'orbite. Pas nous planter au niveau de la vitesse ou ralentir à cause de la planète. Hop, nous y sommes. J'ai été un peu présomptueux. J'accélère un gros coup histoire de pouvoir le faire et hop, c'est bon. C'est parti. Ok. J'aurais fait un truc genre couper les moteurs. En gros, engage le comment on regarde dans l'appontage. Ça pourrait être sympa. Hop, on va le laisser faire. Crac. Donc, si, attendez. Remercier quelqu'un. Ah, faut pas que je me plante. Skrill Grandpin, merci à toi de m'avoir dit pour la musique de l'auto-appontage. Voilà. Merci. J'ai trouvé l'option, c'était bien ça. Merci en plus d'avoir confirmé derrière, c'est sympa. N'hésite pas encore une fois, n'hésitez pas tous à donner vos conseils. Hein. C'est vraiment génial d'avoir vos conseils. Ça permet en plus de les partager à la communauté et donc de toucher un maximum de personnes avec ces conseils. Alors. Hop. Ok.
Voilà. À la question, est-ce que je refitterai pour l'exploration mon SP Explorer, je ne sais pas. Quitte à en racheter en fait un autre. Oui, c'est blindé au niveau de l'atterrissage. Quitte à en racheter un autre et à le fitter cette fois-ci pour l'exploration, je préférerais garder celui-ci comme il est actuellement parce qu'il est vraiment bien fitté pour ce genre de grind. Entrer dans le hangar. Je sais pas pourquoi je m'entre dans le hangar, mais c'est pas grave. Hop, les missions. Tableau de mission, on va quand même regarder si on n'a pas des missions sur les autres systèmes qui nous intéressent, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Quoique, voie commerciale, qui sait? Qui sait, qui sait? Hop! Quelques millions supplémentaires, merci! Ici ça monte ou pas? Ah, entrepreneur 53% quand même! Je veux pas dire, mais 2 millions de plus, merci! Au passage, je voudrais voir... Lambda Andromeda, Aimiai, Lambda Andromeda. D'accord. Ça me dit rien. J'en viens pas de là par hasard. Non, non, non. Dans ma tête. Ici. Non. Nope. Non plus. Non plus. Non plus. Ok. Ici, c'est quoi? Non, non plus. Ok. Bon, bah, on sélectionne la zone suivante. Est-ce qu'on va finir sur Lambda Andromeda ou est-ce qu'on va être sur autre chose avant? Alors, je ne vois pas la deuxième. Lambda Andromeda en premier, malheureusement. Enfin, malheureusement, tout est relatif. Ok. Deux sauts ou un seul saut? Ah ah, deux sauts, je m'en doute un petit peu. Je m'en doute un petit peu, c'est eux qui ont les plus lourds. Enfin, c'est eux qui ont. Je dois avoir 32 à leur donner ou 38 ou 34, je sais plus. Total. Je ne sais plus, donc oui, quand même énormément de choses à leur donner, donc c'est après que ça va être plus simple. Et l'avantage, c'est qu'on va rentrer avec encore moins de sauts. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Quand on va rentrer, on aura moins de sauts à faire. Je gagne vraiment du temps sur tous les tableaux, sur l'aller comme sur le retour. Ce qui est normal, mais c'est assez phénoménal pour s'en rendre compte vraiment. Hop. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage rétracté. Verrouille le prochain itinéraire. Verrouillage du prochain itinéraire. Voilà. Initialise le FSD. Activation FSD. Wouh! Elle a été longue à venir, j'étais en train de laisser le bouton, mais je ne rush pas. Et ben au final j'ai pas rushé. Hop, la suite. Hello there. Hop. Alors, j'aimerais toujours trouver des fittings sur le Beluga, mais j'en trouve pas. Simplement parce que j'imagine que comme il n'est pas sorti, qu'il est encore en bêta, ils l'ont pas encore ajouté à Coriolis. Oula. Oula, on va mourir. Non, on a survécu. Wouh. Alors, deuxième saut, il va se passer par là. Crac. Je regarde en même temps, hein. Excusez-moi, hop. Alors, je suis en train de regarder un poste. Le mec il dit 241 millions pour le Beluga. Je vais peut-être rester sur mon Python. Oh la gueule. 241 millions à ce point-là? Je sais bien que c'est un gros vaisseau, mais quand même. J'ai rendu combien de quêtes là-bas? Ah oui, non, je suis con, je suis pas encore... voilà, j'ai eu un gros brain fart. En train de penser que c'était le dernier truc que je faisais, mais oui, c'est parce que ces derniers sauts avant d'arriver à la bonne station, voilà. Ouh là là. Mais alors, 241 millions?
Donc apparemment c'est ça, c'est 241 millions avec certains... environ certaines choses qui seront loquées sur certains... certains modules qui seront loqués sur certains ports en fait, simplement. Donc bon. 241 millions. Vous imaginez si on vous le pète? La douleur? Oh! 241 millions fités à fond. What? Faudra que je fasse 10 sessions de... ouais, attends, attendez. Là, je gagne 15 millions. Si j'en fais 10, je ferai un total d'à peu près 150 millions de gagnés. Ça fait 200 millions. Ah, faudra que je fasse plus de 10 sessions comme ça. Bah, remarque, c'est faisable. C'est faisable, chers amis, y a pas de souci. C'est faisable. Après... est-ce que ça vaut pas mieux de partir sur autre chose? Exemple, une fédérale corvette. Est-ce que ça vaut pas mieux de partir là-dessus? Après, est-ce que j'aurai le rang pour 240... oh, ça me troue le cul. Ça me troue le cul, chers amis. 241 millions pour un vaisseau de transport. Ah oui, c'est... c'est Corsica, la... Corsica Croisière, quoi, c'est ça, non? Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ça revient au même, quoi, c'est... what? Allez, non, c'est plus... normalement, ce prix-là, c'est... non, c'est pour ouvrir une boîte de transport, c'est ça, et engager des gens, se faire de l'argent sans avoir à rien faire. Non, c'est pas ça, 241 motherfucking millions. Oh, mon cul. Oh la vache. J'ai pas regardé les posts en dessous, j'ai juste regardé le post original pour voir si comment les gens réagissaient, mais... mais on va le regarder, c'est pas grave. Ouh, il est joli. Il est vraiment très joli. Tout le verre à l'intérieur, c'est vraiment très très joli. Hop, bonjour, j'aimerais me poser. Merci. Alors, il y en a qui disent oui, c'est bien de dire 241 millions, mais si on se branle les 20% ou je sais pas quoi, les 15%, enfin le pourcentage du commandant du chinois, ça pourrait être pas mal. Effectivement, ça pourrait ne pas être mal d'économiser une vingtaine de millions. Mais bon, ça revient au même, ça revient pratiquement au même. Service de spatioport, on va rendre les deux missions et on va se rebarrer sur le dernier système. Ok. Alors, crac. Celle-là fait du bien par où elle passe. Celle-là aussi. Hop. Ok. Peut-être qu'on a même accès à la zone en passant directement par là. Est-ce qu'on a le système en question? Apparemment non. Bon, on va le chercher. Hop, c'est pas grave. Ouais, mais alors 241 millions. Oh là là, le bestiau. T'as intérêt à ce que ce soit rentable derrière, n'empêche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... en plus, l'assurance derrière va être terrible. J'ose pas imaginer. Honnêtement, j'ose pas imaginer. J'ose pas imaginer l'assurance derrière. Je suis déjà super content d'avoir fait mes 15 millions ici, là, à peu près. On a fait 15 millions, à peu près, c'est ça, hein. À peu près. Dites-moi, je sais plus combien j'avais 60 millions, je crois, hein. Donc là, ça fait 11. Bon, on va avoir fait 11 millions, peut-être 13 millions, 13, 14 millions. C'est quand même pas rien, quoi. Par rapport au temps que j'y ai passé. Je voulais pas taper dedans, mais ça... c'est lui qui m'a tapé dedans! J'y crois pas! Rentre le train à l'atterrissage! Train d'atterrissage rétracté. Il m'a compris. Ça c'est pas épique. Ok. Tape pas dans le... A B C D. Tape pas dedans. C'est bon. Wouhou. C'est la fête. On se casse. Bon.
Je m'amuse, les gens ils me voient faire des choses dans leur maison, dans leur jardin, sur la station, ils me voient faire des choses bizarres, très très proches de leur ciel, parce que littéralement c'est leur ciel, hein. C'est terrible. Oh mon dieu, quelqu'un va se cracher. T'as les alarmes qui sortent. Rangez vos enfants dans leur boîte, mettez-les dans un coffre pressurisé. Tous dans le bunker anti-radiation, tout ça. Et là, c'est... Après, c'est Fallout dans l'espace. Fallout 5. Nous avons envoyé des gens dans l'espace. Maintenant, ils... ça pourrait être ça, remarque. Ça pourrait être ça. Quoique, non, 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 il n'y a pas eu de programme pour ça. Il n'y a pas eu de programme pour ça, normalement, dans les différentes stations. Enfin, dans les différents bunkers. Comment ça ? Dans les différents abris, voilà, cherchez le mot. Il n'a pas eu comme ça. Après, bon, honnêtement, Fallout, là, le dernier m'a bien dégoûté. Le dernier m'a bien dégoûté. Honnêtement, le jeu n'était pas bon. Le jeu n'était pas bon. Il fallait le modder pour qu'il soit moyennement bon. Je me suis éclaté dessus, il n'y a pas de souci, hein. Il y a moyen de s'éclater. De toute façon, c'est rigolo une fois que tu modifies un petit peu, que tu as des modes sympas. Mais honnêtement, je trouve que le jeu de base n'était pas bon. C'est pour ça que j'ai pas fait la dernière extension. Parce que s'il faut payer l'extension pour avoir un jeu potable, c'est pas normal. Enfin bon, c'est mon avis. Enfin bon, on va pas revenir sur ce sujet là. Normalement, l'extension devrait être là pour augmenter le fun, pas pour l'apporter. Voilà, c'est ça. On va s'arrêter là-dessus. Ok. Bon. Et ben voilà. Hop, nom de l'épisode. En 241 millions. Hop, je reçois des mails. Communiqué de presse Trustmaster. Hein? Ouais, enfin bon. Il a pas l'air épique le. Ok, je me fais en. Il y a un mec de chez Trustmaster qui m'envoie un mail. What? Sous prétexte que leur jeu est. Enfin que leur joystick est en association avec Elite Dangerous. Il y a intérêt à y avoir des boutons, hein. Un pack complet pour son des combats spatiaux dignes de gladiateurs du futur en commande de vaisseaux spatiaux, voici ce que propose le Trustmaster avec le T16000M plus Elite Dangerous Arena. D'accord, c'est parce qu'ils foutent le jeu avec, d'accord, ok. Les pilotes pourront ainsi mettre à profit les perspectives du C16000M, en particulier son extrême précision grâce aux technologies Earth Half Effect Accurate Technology. D'accord. Oula. J'ai joué au con. C'est ce bouton d'action. Ah, quand même. J'en ai combien, moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, j'en ai autant. Plus la molette de gaz. Ah, ah, ah. Est-ce que ce serait le renouveau? Quatre axes indépendants, dont un rudder par rotation de manche, une gâchette ergonomique, un chapeau chinois. Eh hey. Ah, ça pourrait être intéressant. D'accord. Bon. Il est peut-être pas si mal. Ça ressemble un petit peu au mien, mais il est peut-être pas si mal finalement. Et il comporte dans le truc, d'accord, quand tu achètes le truc. Tu peux avoir la couleur, la livrée kaki, vert olive. Pour cobalt et graphite pour le MK3, comme MK3. Ah bah écoutez. Écoutez, c'est surprenant, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre de recevoir ce genre de choses. Mais ça arrive de plus en plus souvent, entre guillemets, si je puis dire. Hein. Je reçois de plus en plus de gens qui veulent que je réponde à des commandes, leur demande, par exemple, des informations en rapport avec les jeux auxquels je joue. Donc ça montre que la chaîne évolue et c'est vraiment sympa de pouvoir faire ça grâce à vous, chers amis, et avec vous. Merci encore pour votre soutien, principalement sur cette série que j'aime beaucoup, moi cette série, ce jeu me plaît énormément, de toute façon j'ai jamais refusé de venir jouer à ce jeu, ça m'est arrivé de ne pas en avoir envie parce que les sessions sont longues et par exemple si je me sens fatigué j'en ai pas forcément envie, mais non honnêtement ce jeu est vraiment une vraie perle pour le moment,
et il ne va qu'en s'améliorant au fur et à mesure des mises à jour. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et pour refaire un dernier parallèle par rapport à Fallout 4, première extension du jeu, Horizon, apporte des planètes sur lesquelles on peut se poser. Certes, c'est très conditionné, on peut pas se poser sur la planète avec les commandes, les atmosphères, tout ça. Bref, mais c'est une fonctionnalité supplémentaire qui apporte du contenu fun. Enfin, du contenu en tout cas qu'on apprécie. Qui en apporte, pas qui fait le contenu fun et agréable. Le jeu était déjà bon avant. Là, forcément, là, aujourd'hui, on me dit « Ah bah, Horizon, on vous l'enlève et on passe à autre chose. » Comment ça t'enlèves toute la partie toute la partie la plus fun du jeu? Mais, hé hey, vous avez vu, ça fait deux fois qu'ils se viandent, mon ordinateur d'appontage. C'est quoi ce bordel? Service de spatioport. Hop. Faire le plein, parce que voilà, par principe. Hop. Fonctionner les pompistes. Donc j'avais à peu près 60 millions hein. Donc là je suis à 11 millions à peu près en plus. Et je vais passer à ta 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 ta. Oh putain. Pour ceux qui connaissent la musique de commande de Orange. Bon. Ah bah bien. Je suis encore dans le jeu. Allez comprendre. Allez comprendre. Oh là 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 là. Ok. Et nous sommes passés pratiquement à 15 000. Ouais, donc c'est pratiquement 15 millions, regardez ça. Là je fais pas mine. Et donc on va se rentrer dans le hangar. Moi je ferai le trajet de retour en solo, comme ça je vous l'ajoute pas à l'attente en règle générale. Par contre, on va quand même aller se faire le petit plaisir d'aller voir combien d'années-lumière on a en direction, combien de sous on a en direction de Sotis. Ah, c'est parce que j'ai pas cliqué suffisamment près. Voilà. Sotis, nous sommes à, donc à peu près je dirais 430 années-lumière, c'est ça? À 420, d'accord. Ok. Et je peux pas y aller avec un plein normalement, mais... Non. Ok. Et j'ai donc 11 sauts à réaliser. Oh, y a pas grande différence entre quand je suis chargé et quand je suis pas chargé, je suis vexé. Ah, remarque, j'ai fait plusieurs sauts pour rejoindre l'endroit. Donc on est peut-être à peu près à... On était peut-être plutôt qu'à être à 12 sauts, on était peut-être à... Là on est peut-être à 15 sauts. Donc ça correspond à peu près au... À peu près au tiers. Ok. Ok, ok. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. Donnez vos conseils, vos astuces et vos commentaires vis-à-vis de ce que je viens de faire, si ça vous a plu, si ça vous a donné des idées, si ça vous a donné envie de le faire dans votre partie, de gagner quelques millions supplémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut !